Yo les gars, nouvelle vidéo, la vidéo qui va me demander le plus de travail entre guillemets de toute ma chaîne. C'est un test les gars que je fais aujourd'hui, une espèce de concept les gars. Vous me direz ce que vous en pensez, mais aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo qui techniquement va nécessiter du montage, donc triste, mais c'est la vie, c'est pas grave. Hop, on oublie tout ce que je viens de dire. On part sur le sujet. Comme vous le savez peut-être, il y a le Z-Event qui a lieu ce week-end, donc du 29 au 31 octobre, donc jour d'Halloween d'ailleurs, sachez-le. Et donc voilà, Z-Event, je sais pas si vous connaissez, mais grosso modo, plein de streamers se mettent tous dans une pièce, ils mettent tous leurs streams, donc il y a 50, 60 streams en même temps, ils récoltent de l'argent pour une association. Aujourd'hui, cette année d'ailleurs, c'est pour Action contre la faim, donc une association qui lutte contre la faim dans le monde. Et à cette occasion, les gars, j'avais envie de donner ma pierre à l'édifice, quoi. Enfin, bon, bizarre comme expression, mais vous avez compris l'idée. J'ai envie de les aider à mon échelle. Je ne suis pas très riche du tout d'ailleurs, mais je vais quand même essayer de leur faire un petit don. Quand du coup, voilà, quand ça sera l'heure, donc d'ici 2-3 jours, hein. En fonction de quand vous voyez cette vidéo, c'était potentiellement dans le passé. Bref, je vais leur faire un don, mais pour connaître le montant de ce don, les gars, eh bien, je vous propose ce petit concept aujourd'hui. Concept assez simple. Je vais me laisser une heure. Vous voyez, il y a un timer en haut à droite de l'écran de une heure. Bon, là, c'est à 59,59. On a déjà perdu une seconde. Bref, un timer de une heure dans lequel je vais enchaîner des games. En occasionnel, bien entendu, pour avoir plus d'espace. Et mon but, ça va être de mettre des flip resets. De rentrer plein de flip resets, plein, 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 plein. Et à chaque flip reset, la cagnotte augmente. Donc, bon. Les gars, comme je vous l'ai dit, je suis pas riche. Mais le but du Z-Event, c'est pas forcément qu'il y ait des énormes dons, mais c'est surtout qu'il y ait plein de petits dons qui forment une grosse somme. C'est ça un petit peu l'idée. Bref, donc moi, je vais faire mon petit don. On va essayer de voir combien de flip reset j'arrive à mettre. Si j'arrive à en mettre 20, eh ben on donnera 20 euros. Si j'arrive à en mettre assez peu, donc peut-être genre 10 par exemple, eh ben on va doubler. On va faire qu'un flip reset égale 2 euros. Mais si j'en mets beaucoup, les gars, je vais respecter mon compte en banque. Et cette fois-ci, ce sera un petit don. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Il y aura sûrement pas mal de montage dans cette vidéo parce que je ne vais pas vous faire une vidéo d'une heure, je vous respecte quand même. Là déjà, ça fait 3 minutes que je parle. J'ai bégayé tout le début de l'intro, c'était plutôt bien. Mais bon, vous me connaissez maintenant, hein, je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis quelqu'un. Je marche au feeling, les gars. Donc, des fois, il y a des problèmes d'élocution. Bon, je vous mettrai peut-être une petite musique de fond pendant les games, pendant en tout cas les clips que vous allez voir. Je ne sais pas si je vais laisser des games entières ou quoi. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, on va aller en occasionnel, en 1v1. Peut-être on fera de la 2v2, mais je pense que ça sera surtout de la 1v1. Je vais déclencher le timer dès que je trouve une game, les gars. Et c'est juste parti, en fait, les gars. Allez, attendez, hop, je trouve le timer, il est où, il est où? Il est par là, bam bam. Je le déclenche. Et c'est parti. Allez, hop, on lance une game. Comme d'habitude, bon, je vais peut-être pas parler pendant une heure, les gars. Comme d'habitude, je vais essayer de mettre surtout les moments intéressants, les tries, les misses, les beaux resets que je vais mettre. Je vais tout vous mettre. Il y aura un compteur qui n'apparaît pas sur l'écran parce que bah, j'aurais pu le faire, mais bon, je l'ai pas fait. Il y aura un compteur, je pense. Je mettrai, je sais pas trop où, peut-être en dessous du timer, on verra bien. Et c'est parti, les gars. Allez. Let's go. On se concentre, on va avoir un setup. Ça serait bien de commencer à réussir à faire des trucs. Est-ce que je l'ai eu là? Ah, je l'ai eu, mais en fait, je me positionne mal après. Bon, alors les gars, le problème de cette vidéo, c'est qu'elle va marcher que si j'arrive à mettre des resets. Hein. Sinon, ça va être un flop. Ok, on va peut-être avoir un setup sur le mur là-bas. Ok, yes! Yes les gars, yes! Premier reset, 1 euro enfin dans la cagnotte. Mais pas de pression donc c'est cool. Ok. Hop! Deuxième reset les gars, 2 euro dans la cagnotte. C'est trop complexe. On va pousser la balle. Hop! Let's go les gars, 3 euro. 3 euros les gars. Ok, la balle elle va un peu vite, faut pas non plus envoyer trop haut.
Ah non, toujours pas, hein. J'arrive pas à faire de bon setup, c'est un peu triste. Ok, ça compte, let's go. 4 euros, 4 resets, c'est parti. Allez, on se motive les gars, on se motive. Là, j'ai bien pris le reset, le beau flip qui rentre comme il faut dans le but, c'est parfait, j'ai un setup. Ok. Ok, est-ce que ça rentre? Ça compte les gars. Encore un. On pousse la balle sur le mur. Part en beau setup. On prend le reset. On flip juste après. Let's go les gars. Let's go. On a 6. Là j'ai pas assez de boost donc on va temporiser. Si ça coûte. J'en ai rien à foutre. J'ai eu le reset les gars. Et vous savez quoi? On le dit pas, on le dit à personne, ça compte. On est donc à 7 normalement. Il y a eu le reset, il y a eu le déclenchement. Ça a un tout petit peu touché la balle après, donc ça compte. Là il va me gêner. Non c'est bon. On va pousser un peu la balle. Ok, nice. Let's go les gars, 8. Lui c'était un beau reset lui, y a rien à dire. Tac, regardez, hop, bam, bam. Un genre de mini air triple reset. Le reset il part bien comme il faut, rien à dire. 8, allez. Ce serait bien qu'on en mette encore au moins un ou deux dans cette partie, ça rattraperait la partie d'avant. Là il vient pas au kick-off, non il vient pas au kick-off. On va en profiter du coup. On y va doucement vers le but. On prend le reset là, hop. Bon et là il a AFK mais ça compte, hein, il avait qu'à jouer. 9 les gars, on a 9, c'est parti, 9 resets. Ok. Nice, let's go les gars, let's go. On est à 10 du coup, je crois. Ok, là je l'ai eu le contre. Le problème c'est que la balle elle est un peu trop loin, donc je pense pas que je vais pouvoir créer un setup comme ça. On va reculer du coup. Bah là je dis ça et puis je ravance en fait, je suis complètement con. Ok, là j'ai peut-être un setup. On prend le reset. Hop, et là let's go les gars. On en enchaîne un deuxième. On a 11 cette fois par contre. On prend le boost. On recule. Là il joue plus là. Bon bah c'est pas forcément un mal, hein. Ça compte les gars, ça compte les gars, on est à 12. Aucune triche ici. Je l'ai eu le reset et je l'ai même déclenché, vous l'avez vu je pense. Bon, ça rend pas très bien, je vous l'accorde, mais la vidéo c'est les resets. Oh si, ça a l'air d'être lui. Oh bordel, pourquoi je tombe contre lui les gars? Pourquoi je tombe contre lui? Nice, let's go les gars, on est à 13. Il a jusqu'au bout pour me faire chier lui en tout cas. Ok, là on l'a. Hop, nice, let's go les gars, 14, 14. Allez, encore au moins un. Oh, c'est dedans. Nice, let's go les gars, let's go, on est à 15. 25 minutes restantes, il va falloir que j'accélère, hein. Il va falloir que j'accélère si je veux faire les 30. Là j'ai fait la moitié des 30, j'ai fait 15. Sauf qu'il ne reste plus 30 minutes, on n'est pas à la moitié. Ok, là par contre j'ai un bon setup, je peux la ralentir la balle. Ok, nice, let's go, on est à 16. On est à 16, il reste 20 minutes, même pas à 19 minutes, ça va être très dur. Je vais devoir console. Ah, je suis obligé, sinon c'est impossible de bien finir. Donc là je suis à 16, ou 17. Je crois que je suis à 16 malheureusement. Non, peut-être 17. Allez, on va dire que je suis à 17 les gars. Vous savez quoi? Si j'ai triché, bah, le compteur il a triché avec moi au moins. Personne verra l'arnaque les gars. Personne verra l'arnaque. Je suis à 17 du coup. 17 et il reste 17 minutes. C'est parfait. Logique. Allez, on refait comme avant. Peut-être qu'il va encore me laisser le faire. Ok. Nice, let's go. Let's go les gars. On a 18 du coup. Allez, 18, encore 12 à mettre. Nice, let's go, 19. Ah, un petit peu de répit dans ce monde de brut. Ok, c'était un beau reset en tout cas, lui, il n'y a rien à dire, il est bien reparti après. Allez, je le bump, pas qu'il ait la balle. Nice, let's go les gars, un autre reset, on est à 20. Allez, encore 10.
Ah ouais. Ah ouais, là il est pas. Non, non, il veut juste me casser les couilles, j'ai compris. Est-ce qu'il va avoir le temps d'aller jusqu'à moi? Non, je pense pas. Ah si, un putain, Nono, sérieux! Oh non, je le déteste, c'est bon, je le déteste. Allez, c'est bon, je cancel. Je joue pas contre lui, les gars, il me reste que 8 minutes. Faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui. Comment dire, qui. Voilà, qui joue doucement, quoi, voilà, c'est le but. S'il arrive à trouver quelqu'un qui joue doucement, je pense que je peux leur mettre 5 ou 6 en 5 minutes. Ce qui nous rapprocherait bien des 30, mais il faut que je trouve un bon client, quoi. En espérant juste qu'on trouve des games, en fait! On trouve pas de games! Ah, je vous jure, les gars, c'est dur, hein. Ok, merci, enfin une game. Quand même, quoi, il est 9h. Pitié, non mais pitié, mais il n'y a personne sur ce jeu de mort, les gars. C'est un truc de ouf. Allez, allez. Allez. Nice. Ok, ça, non, ça compte double tap. Double tap, c'est quoi? Reset double tap, ça compte double. J'en ai rien à foutre. Je suis donc à 22. Ok, donc lui, il a l'air chiant déjà avec sa Ferrari, là. Nice. Ouais, je sais pas s'il compte. Oh, j'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai tellement rien à foutre. Il compte. J'ai eu le reset, je l'ai déclenché. Voilà, je suis à 23 du coup. Allez. Ok, ça rentre ça. Ok, let's go. Reset Musty, ça compte 2. Du coup, on a dit. Je suis donc à 25. 25 et il reste que 5 secondes. Donc en fait, je vais être à 25 à la fin. Bon, c'est déjà bien 25, les gars. Ouais. Là, je vais devoir quitter la partie. Allez, on concède. C'est la fin, les gars. C'est la fin. Je suis obligé de respecter. Je suis obligé de respecter. Aïe, 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 aïe. 25 les gars, j'aurais mis 25 reset, enfin, vu qu'il y en avait 2-3 qui ont compté double, en fait c'est plutôt 21-22, mais bon bah c'est déjà pas mal les gars, c'est déjà pas mal honnêtement, mon but c'était de faire 30, j'ai pas réussi à faire 30, mais bon j'en ai mis 25, sachant que bon, au départ voilà, j'ai pas commencé directement, donc ça fait à peu près 1 toutes les 2 minutes, 2 minutes 15, c'est déjà bien les gars, donc voilà c'est la fin de la vidéo les gars. C'est un concept un peu particulier, je sais pas si ça va rendre bien avec le montage et tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner des conseils ou justement d'autres idées de vidéos ou de concepts que je pourrais mettre sur ma chaîne YouTube. J'ai donc fait 25 flip resets, donc 25 euros pour l'association Contre la faim que défend le Z-Event de ce week-end du 29 au 31. D'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur les différents streams qui seront au Z-Event. Donc à peu près tous vos streamers préférés y sont. Hein. Par rapport à Rocket League, il y a Sardoche qui va y être, qui va peut-être sûrement faire du Rocket League. Il y aura Gotaga aussi. Je pense que les autres vont pas forcément faire. S'il y a Le Bouzeux aussi, je pense qu'il va faire du Rocket League. N'hésitez pas à aller voir, c'est ce week-end du 29 au 31. Je vais faire un don, je vais sûrement faire le don sur la chaîne de Sardoche parce que c'est celui qui a le plus joué à Rocket League de ceux qui seront au Z-Event et vu que bah, c'est une vidéo Rocket League, ça me semble assez logique. Je vous enverrai un petit screen par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine fois les gars, en espérant que la vidéo rentre bien. Bisous bisous, c'était Alexian et salut les gars, salut salut.